On salue d'ailleurs, on souhaite une très belle saison à Timothée Pembélé qui a officialisé son prêt, mais c'est le cas de Bouka, c'est le cas de Areola. Mais nous, on enregistre également les retours et là, on les voit de Dina Ebimbe ou d'Arnaud Kalimuendo. Et oui, les jeunes, ils ont toute leur place. Il y a du nombre aujourd'hui parce qu'il y a aussi beaucoup de jeunes du centre de formation. Yep, absolutely. A lot of players out there, a lot of the young kids from the academy as well who have proved in the pre-season that they have the quality to have their place at Paris Saint-Germain. And just talking about all those names that Ambre was mentioning beforehand, those players that made finals of continental competitions, well, they're all there, including Lionel Messi, who's out there on the training pitch at the moment with the rest of the squad for the warm-up. There's Neymar there as well. Marco Verratti is there. Marquinhos, I saw Angel Di Maria, Leandro Paredes. So all the finalists of the competitions are there. But yes, Lionel Messi is training as well. Kylian Mbappé is there. Pablo Sarabia, a Euro semi-finalist. Ouais. En revanche, on peut aussi dire ceux qui sont absents. Alors c'est vrai, à signaler, s'il y a beaucoup de photographes, ça n'est pas anodin avec la présence de Léo Messi directement à l'entraînement lors de sa conférence de presse de présentation. D'ailleurs, il avait bien dit qu'il avait hâte de commencer l'entraînement. Il a besoin d'une prépa physique avant de commencer les matchs. Après avoir quitté le FC Barcelone et officialisé son arrivée ici, mais en tout cas il participe déjà aux séances collectives. En revanche, ceux qui pour l'instant font du travail individuel de reprise, Roby, il s'agit toujours de Ramos, d'Allo qui a été touché à la hanche, de Dagba à la cheville et de Letellier aux adducteurs. That's right, Letellier, Alex Letellier, the third choice goalkeeper, still missing. Teddy Allo sidelined with a hip, Sergio Ramos calf and Colin Dagba all working their way back to fitness as well. Juan Bernat though is there and working his way back to full fitness as well. Shall we leave it there, Ambre, and we'll be back at the end of training. Bah, il fait beau, il y a des joueurs, du beau monde, c'est parfait. Un bel entraînement du Paris Saint-Germain en veille de match. Je propose qu'on vous laisse un petit peu profiter. What more could we ask for? Ah, franchement, rien d'autre. Et j'ai même Roby à mes côtés, c'est absolument parfait. On vous laisse profiter et on vous retrouve à la fin de cet entraînement. À tout de suite. Thank you.
Et voilà, on arrive au terme de ce quart d'heure d'entraînement. Vous voyez les joueurs qui font un taureau. Alors, on a des belles nouvelles aussi, c'est qu'on a, aperçu Idrissa Gueye qui donc fait son retour de protocole sanitaire. Il était évidemment touché par le Covid-19, il est bien avec le groupe. Donc il y a des belles nouvelles, il y a Juan Bernat, il y a Léo Messi, il y a Idrissa Gueye. Il y a des joueurs qui sont de retour. Hein. Absolutely, no, it's very good. We've got just a couple of minutes left then in this live 15 minutes of training here before tomorrow night's Match day 2, Ligue 1 clash at home at the Parc des Princes against Strasbourg. Lionel Messi is there. We know that's what many of you want to hear. That doesn't mean, of course, that he will play any part tomorrow evening. And Idrissa Gana Gueye, however, is there, and that's great to see back after COVID as well. So nearly a full-strength squad for Mauricio Pochettino, at least out on the training pitch as well, which is great to see. Et oui, parce qu'on voit également, alors dans les cages, et vous le voyez peut-être pas, mais il y a Donnarumma qui s'entraîne actuellement avec Keylor Navas, Sergio Rico et Denis Franchi. Sur le terrain, on a pu voir Achraf Hakimi également. Donc il y a également Wijnaldum, Gini qui est bien présent. Sergio Ramos, lui, effectue toujours sa reprise en salle. Il y a du beau monde, c'est vrai, pour la réception de Strasbourg. Demain, deuxième journée de Ligue 1. Roby, je